Je m'appelle Fabien, je suis étudiant de doctorat avec le CIRAD et l'université de Nancy. Je suis au Costa Rica depuis environ un an et demi et je travaille sur la productivité primaire nette des systèmes agroforestiers à base de caféiers. Et ma relation avec Ecosfix, c'est tout un travail que je fais sur l'étude de la productivité des racines fines. Et on a installé ici des rhizotrons et des mini-rhizotrons de manière à observer la croissance et surtout la durée de vie de ces racines. So each pit has two rhizotrons, one in, exposed in north, the other one in south. They have been installed with Christophe 1 year and 2 months ago. The first roots have appeared 10 months ago. So we have now the about 10 months of measurement and monitoring. The monitoring is done every 15 days. Alejandra, the daughter of Alvaro, is doing the great job of drawing the root. So you can see, I don't know if I need to explain this. We have here a plastic paper, transparent. We put it against the window. And every 2 weeks, we draw with a different color the roots that have grown. Also the death roots, and that's it. Nous sommes ici donc à peu près à 1800 mètres d'altitude, au bord de la fosse qui est située en forêt. Donc en ce moment, ils sont en train de creuser une fosse de 2 mètres par 1,20 mètre à peu près, sur 1,50 mètre de profondeur. Le travail est difficile puisque il y a des grosses pierres. Donc ça, c'est parmi les plus petites. Hein. Donc les caractéristiques de cette fosse, c'est donc un sol très noir, donc très chargé en matière organique. Des racines essentiellement sur les 20 premiers centimètres. Après, plus en profondeur, un sol très dur, très dense, très argileux. Comme ça, qui se sépare très peu, avec très peu de racines, très peu colonisé par les racines. Voilà, donc comment on sépare les racines du sol. Donc premièrement, on met une pelletée dans ce tamis qu'on secoue. Et on secoue un petit peu et ensuite on regarde si se sont déposées un peu de racines à ce niveau-là. Et visuellement aussi, c'est un premier tri. Une fois que ce premier tri a été fait, on met les agrégats qui sont restés sur la table avec Ivan. Et on écrase chacun des agrégats de manière à regarder s'il contient des racines.